tout le monde. Bienvenue à une autre vidéo. Cette semaine, encore une fois, je le dis, c'est ce que je dis à chaque fois, on va faire encore une vidéo spéciale. Mais là, c'est vraiment quelque chose que je tiens vraiment à cœur parce qu'on va faire une recette avec mon barbecue que j'ai créé, ma nouvelle ligne de barbecue, un 3 dans 1, ce qui peut être un barbecue, un fumoir, un barbecue régulier ou pour faire du michoui. Ce qu'on va utiliser cette semaine. Alors, la recette, ça va être une recette de michoui. Vous n'avez pas besoin d'avoir un barbecue comme le mien, ça c'est clair. C'est sûr que si vous voulez l'acheter, c'est encore mieux. Mais vous allez voir, ça reste qu'à la base, c'est une bonne recette de michoui. La recette est super bonne. Et puis en même temps, ben, ça me donne l'occasion de vous montrer un peu mon barbecue, puis son côté qui est assez versatile parce qu'il est transportable. C'est assez intéressant. Puis, éventuellement, avec les options, vous pouvez même faire jusqu'à un service de 60 personnes. C'est assez intéressant. Si jamais vous êtes intéressé à en savoir plus, juste allez voir sur mon site web et puis vous allez trouver tout ce que vous cherchez sur ce site-là pour tous les produits d'ailleurs qu'on a à vendre parce qu'on a beaucoup de produits. Alors, on s'en va en recette. Vous allez voir, c'est super bon. We'll be right back.
Un autre barbecue de fini. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous allez apprécier et surtout que vous allez goûter. Parce que c'est vraiment bon. C'est un michoui. Puis de la façon qu'on procède avec la cuisson verticale, on gagne pas mal de temps de cuisson. Beaucoup plus court, beaucoup plus vite. Alors, j'espère que vous allez essayer ça. Au moins, si vous n'avez pas un barbecue comme ce que je fais, ben faites un michoui. Vous allez voir, c'est super bon. Si jamais vous voulez de l'information, comme toujours, vous pouvez aller sur mon site web. Vous allez voir l'adresse là. Et puis, vous allez voir tout ce qui concerne les barbecues qu'on fait et qu'on offre avant. Alors là-dessus, j'espère vous revoir la semaine prochaine. Puis si vous avez des idées ou des commentaires, s'il vous plaît, n'hésitez pas. À la semaine prochaine. Ciao.